Salut à toutes! Alors me revoilà pour vous parler de la sortie make-up que j'organise et qui aura lieu le 24 septembre, donc c'est un samedi. Je vais tout vous écrire aussi dans la barre d'infos. Donc je vous donne rendez-vous à toute beauty addict et à toute youtubeuse beauté également, que ce soit mes abonnés ou des youtubeuses, vous êtes toutes les bienvenues. C'est une rencontre donc basée sur le make-up, sur la beauté, les cosmétiques en général. Donc on fera quelques boutiques, j'en ai déjà fait une auparavant il y a quelques mois, il me semble qu'il y a une vidéo là-dessus, donc si vous voulez voir comment ça se déroule vous pouvez y aller pour vous rassurer. Donc on est allé chez Kiko, chez Lush, chez MAC, tout ça tout ça, on avait aussi pris un petit pot ensemble. Donc bah écoutez, c'est l'occasion de se rencontrer, vous me le demandez très très souvent sur Facebook ou à la suite de la dernière rencontre, vous m'avez dit « Oh mince, j'ai pas pu y aller, j'ai raté l'occasion ». Donc cette fois-ci, vous n'avez plus d'excuses, c'est l'occasion, j'en refais une. Je le fais le week-end parce qu'il y a pas mal de filles qui travaillent, donc c'était pour arranger tout le monde. Je sais que ça n'en arrange pas certaines, puisqu'il y en a qui travaillent quand même le samedi, mais c'est vraiment difficile de satisfaire tout le monde, je pense que vous comprenez. Je m'excuse si vous êtes déçus de ne pas pouvoir venir encore cette fois-ci. Que dire de plus qu'il y en aura d'autres? Bon, ok, pas vraiment prochainement, je vais pas en faire tous les mois, mais il y en aura d'autres. Alors, que dire donc, si vous participez, bah, mettez-moi un petit commentaire soit sur Facebook, soit ici, pour que je sache s'il y aura du monde et si ça pourra se réaliser. Donc, moi je vous donne rendez-vous comme la dernière fois, donc à 14h chez Kiko, donc directement dans le Kiko, donc devant, hein, je vous attendrai pour faire du shopping, donc au Forum des Halles, donc c'est à la station Châtelet, donc pour les parisiennes vous devez connaître, pour les autres c'est un endroit où en fait il y a plein de boutiques qui sont concentrées, donc ça va nous faciliter la tâche. Il y a donc Kiko, il y a MAC, il y a plein de boutiques d'habits, on pourra en faire si ça vous dit. Il y a Lush qui est pas loin, et puis il y a plein d'endroits pour boire un verre, manger, tout ça. Donc ce sera super, super sympa. Si ça vous dit, bah écoutez, je vous invite à répondre sous cette vidéo ou sur Facebook. Si vous avez des idées, des endroits où vous voulez qu'on aille, il n'y a aucun souci. Moi donc j'y serai à partir de 14h et je vous attendrai, donc si vous venez à 15h ou 16h, malheureusement on sera sûrement parti, on sera peut-être chez Lush ou ailleurs, donc c'est assez important qu'on arrive à peu près tout à la même heure, parce que on va pas attendre les retardataires d'une heure et de deux heures, on restera sûrement une demi-heure sur le même endroit chez Kiko. Donc voilà, donc là c'était, j'ai choisi le même point de rendez-vous que la dernière fois parce que je suis toujours autant fan de Kiko, ça n'a pas changé. Aussi j'ai pas envie d'imposer d'aller à MAC et tout directement parce que déjà c'est très cher et je pense que Kiko bah, c'est bien pour tout le monde. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère vraiment que certaines filles avec qui j'ai fait connaissance la dernière fois vont venir. Alors je sais que Miss Tinguette à Paris va venir, ça me fait très plaisir parce qu'on avait noué quelques liens et c'était vraiment très bien. Donc j'espère qu'on sera plus nombreuses que la dernière fois parce qu'on n'était que 5. Donc je vous préviens un peu tard parce que j'étais malade. Je le suis encore un peu, mais j'espère que vous allez pouvoir quand même venir. Vous avez un peu moins de 20 jours pour vous organiser. Alors désolée pour celles qui habitent dans le sud, je suis vraiment désolée. Vous me faites souvent la remarque que je fais, que tout se passe sur Paris. Alors j'en suis consciente, mais en même temps, je suis aussi étudiante et je ne vais pas payer un billet pour faire simplement une rencontre. J'espère que vous comprendrez. Mais quand je retournerai en vacances dans le sud, je vous promets que je vous préviendrai et on essaiera de se faire un petit truc. Voilà. J'espère aussi que les youtubeuses que je connais virtuellement vont se motiver. Notamment Elise You'll Be Surprise, même si elle n'habite pas à Paris. Bon, Crystal Makeup, elle habite très loin, donc c'est mort, je pense. Pourquoi pas Folie de Filles,
sais pas à Kairos Fantasy, mais je crois pas non plus qu'elle habite. Enfin, je sais pas si elle habite à Paris. Enfin bref, tout plein de filles, tout plein de youtubeuses que je suis, dont je suis fan et qui me plairait énormément de rencontrer moi-même en tant qu'abonnée de leur chaîne. Donc voilà, c'est quelque chose en toute simplicité, c'est pas le gourou make-up et ses abonnés, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, les filles qui l'ont déjà fait pourront vous le dire, une rencontre entre filles. Une rencontre lambda entre filles qui partagent une même passion, qui ont envie de faire du shopping et de faire de nouvelles rencontres. Donc voilà. Écoutez, assez parlé, je pense que si j'ai oublié quelque chose, vous le mettrez par là et puis je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous serez nombreuses. Sinon après, j'aurais plus envie de faire des rencontres make-up. Donc motivez-vous. Et puis la dernière fois, pour vous donner envie, la dernière fois j'avais négocié des petits échantillons gratuits chez Lush. Elle était super sympa la dame, donc qui sait, on aura peut-être, si on est nombreuses, des petits trucs gratuits, des petits avantages et tout et tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis à samedi 24 septembre. Bye.